à tous, présentation d'un outil d'évaluation appelé le gain étoile. L'outil est un fichier Numbers issu du tableur d'Apple. Le gain étoile permet d'évaluer les élèves de 0 à 5 étoiles en fonction des critères choisis. Par exemple, ici le gain étoile en rugby avec ma classe de 5e. En colonne, mes critères, attaquant porteur de balle, attaquant non porteur de balle, et dans ma première colonne, en ligne, la liste de mes élèves. En attaquant porteur de balle, j'y ai associé un commentaire. Ici, on peut voir que l'élève peut gagner une étoile s'il est dans un comportement où il se débarrasse du ballon, s'isole. A l'inverse, il peut gagner 5 étoiles s'il conserve et progresse dans la bonne direction. Tous ces critères peuvent être bien évidemment modifiés en fonction de vos critères. Autre possibilité, par exemple sur l'attaquant non porteur de balle, dans le commentaire, j'y ai associé un niveau de maîtrise. Donc là, maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante ou maîtrise très satisfaisante. Pour procéder à l'évaluation, il suffit d'appuyer sur l'écran. Par exemple, Océane a actuellement 2 étoiles suite à une situation d'évaluation. Par exemple, elle gagne une étoile en plus. Il suffit juste d'appuyer sur l'étoile. Au bout de la ligne, pour Océane, nous pouvons voir une colonne point et une colonne note. À chaque fois que Océane gagne des étoiles, par exemple ici elle a 17 points, si je lui mets 5 étoiles en attaquant non porteur de balle, le nombre de points a augmenté, puis sa note également. Autre possibilité, on peut aussi travailler avec un formulaire individuel. Ici, nous pouvons voir Océane, en attaquant non porteur de balle, elle a bien 5 étoiles. Par exemple, si elle avait eu 3 étoiles, ici, dans le tableau, ça change automatiquement. L'utilisation en tableau ou en formulaire dépend de votre organisation sur l'évaluation. Si vous vous centrez sur un critère, il est préférable de rester en vision tableau. En revanche, si vous vous centrez sur un élève, il est préférable de rester sur une vision formulaire individuelle.